Et on se retrouve, chers amis, sur une nouvelle série que je n'ai pas encore prévenue sur le calendrier du planning, désolé. Je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer pour cette nouvelle série qui va se passer en fait. Ça sera de la construction sur du créa de la cré sur du créatif en fait. Et ce que je vais faire, c'est de me construire des choses super cool et tout. Ça sera en time-lapse, parce que sinon ça va prendre du temps et tout. Je vais essayer de faire un minimum que je peux pour faire une vidéo qui dure 20 minutes pour faire une maison sans time-lapse. Mais pour l'instant, ce sera que du time-lapse. Et c'est tout, hein. Juste pour vous prévenir, c'est que là, j'ai pas pu vous prévenir sur le planning de l'emploi du temps des vidéos qui vont sortir et tout. Cette série va se composer sur du créatif, hein. Il y aura une autre série sur ce même type de jeu, hein. Ce sera sur du survie, hein. Sur un monde survie. Mais là, nous, on commence par un monde créatif pour donner de l'inspiration, parce que là, j'en manque d'inspiration après mes deux lives sur Mario Kart et Robocraft. Ouais, quand même, ça en fait du temps, hein, quand même, il faut le dire. Du coup, sans plus tarder, on va commencer un nouveau monde. On va créer un nouveau monde, un monde créatif. On n'aura pas de succès, mais bon, tant pis pour nous. Et c'est tout. Juste faire vite fait un petit truc, les gars, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après le truc que je veux faire est fait. On va l'appeler. Je sais pas, hein, je sais pas comment on pourrait nommer ce monde. J'aurais bien aimé de le nommer qui va dans l'inspiration de type créative pour s'inspirer tout simplement, hein. Ça sera une maison sous l'eau, hein, par contre. Il faut que je trouve un seed. J'ai même pas encore commencé à avoir un seed, mais bon. Sinon, ouais, je pourrais y faire. Mais du coup, je pense que je vais l'appeler la construction, hein, building game. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ça veut dire jeu de construction. Parce qu'il y a plusieurs jeux de construction. On va mettre un S sur build. Ah, vous savez, moi, si j'en fais des fautes d'orthographe, ah, purée, on doit tout supprimer. Build Games. Et en difficulté, on va mettre paisible. Ouais, paisible. Ce sera pas du combat et tout, ce sera que créa. Pourquoi paisible? Parce que on n'est pas dans un serveur, hein, il faut le dire. Du coup, on est plutôt tranquille, on va dire. Du coup, on va mettre en opérateur. Et ce monde, il sera pas plat, il sera infini, hein, parce que j'aurais bien aimé qui. Vous savez quoi? Je vais chercher un seed pour cette map et il me faut juste un biome sous l'eau et c'est tout. Du coup, je reviens tout de suite pour prendre ce fameux seed. Non mais vraiment, pourquoi je cherche à midi 14h? Parce que je viens de comprendre où c'est les sites, tu dois juste cliquer sur une flèche et c'est bon. Carrément. Du coup, je vais prendre un seed de océan. Que de l'océan, je pense. J'aimerais bien avoir un seed avec Mesa et océan, ou une île à peu près, pour faire du genre. Voilà quoi. Je pense que ce sera une prochaine vidéo sur ça. Voilà, il y a une petite hutte. Sur la surface, mais une grande maison sous l'eau, un truc comme ça. Du coup, on va commencer par le monument sous-marin, sauf qu'on va se déplacer un peu ailleurs, hein, sans être fâché, hein. On va enlever l'explosion, les butins des créatures, la régénération automatique, parce qu'on n'a pas besoin, les butins de blocs, si, je crois. Le feu allié. De toute façon, il y a des choses que j'enlève parce que ça sert à rien, progression du feu. Ok. La journée éternelle, important. Le jour éternel. Conservation, on s'en fout. Apparition des créatures, non. Ingérence, non. Butin des entités, ok. Cycle météorologie, ok. Bloc de commande, d'accord. Du coup, on est pas mal. Quand même, on va se mettre en défi. En
paisible, hein, puisqu'on est en créa, il faut être paisible. Et on va se mettre opérateur, et on a un biome infini, et on est très bon. On va commencer à créer ce fameux monde, et après quand je serai prêt à construire, ce sera un timelapse. Du coup, vous avez un début qui dure 5 minutes, quand je vais... Sans, à chaque début, ça va durer 5 minutes, parce que je dois parler et tout, et à peu près 10 minutes... quelques minutes pour... Et je crois que le site d'Imamanchi, il m'a pas placé où je veux être. Mais bon, on est dans l'île. Ce qui est pas mal. Mais vraiment, ce qui est vraiment pas mal. Alors, par contre, il y a des bugs de chunk. Et je suis pas très satisfait pour ça. Mais bon. On peut rien y faire. Du coup, sans plus tarder, il y aura la fiche devant cet écran, les listes de blocs que vous avez besoin. Parce que il en faut pas mal, je pense. Hein. Mais vraiment pas mal. Ah si, il est là le monument. MDR, mais je suis aveugle. Mais vraiment aveugle, quoi. Il est juste à côté. Ok, ça va, on a le monument. Les petits poissons, hein, je pense qu'après qu'on aura fini la maison, on aura à remettre les mobs ici. Du coup, sans plus tarder, je vais commencer et je vous dis bon visionnage pour ce timelapse. Et aussi, je vous fais vite fait un petit... petite précision, c'est que il y aura évidemment les listes de blocs dans la description. Si j'ai oublié de mettre l'image, et oui, quand on est un peu fatigué, hein, mais bon, rien y faire. En plus, il y a une faille. Du coup, on se dit, je vous dis, bon timelapse, c'est tout. Du coup, bye bye. Destiny is a symphony.
Thank you.
Chers amis, j'ai terminé ma maison. Hein. Bon, désolé pour le design, hein, vraiment, je fais ce que je peux. Hein. C'était dans ma tête.
comment je faisais cette maison. Ça m'a beaucoup plu faire ce time-là. C'est eu un problème de. Ouais, il y a eu quelques petits problèmes ici quand même. Juste régler. Hein. Hop. C'était avec ça que j'ai fait. Ouais. Ça, le gros problème, c'est que quand vous placez les blocs hein, sur Pocket Edition, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir un Minecraft sur PC, mais bon. Du coup, je vous dis à la fois prochaine. J'ai pas fait trop les détails en bas, mais bon. Bon, après, les détails, c'est des blocs que j'ai posés sans faire exprès. Mais on a fait l'objectif de la maison. Hein. Je dirais que c'est une maison très assez commune, hein, comme dans toutes les. Comme toutes les autres builds, en enlevant les effets, hein, si vous voulez. Clear, je crois. Attendez, je fais vite une ellipse pour l'enlever. Vraiment, c'est assez long. Hein. Du coup, je vous dis tout à l'heure. Voilà, avec la lumière et les monstres qu'il y a, hein, les poissons et tout, ça rend pas très mal quand même. Pas trop mal. Surtout les lampes là, que j'ai mis sur la pièce, hein, sur le toit. J'ai mis des barrels, hein, quand même, avec des cornichons et un magma bloc pour faire la cheminée et les petits thèmes sur les sols. Et j'ai mis aussi des petites trappettes pour faire les fenêtres, en fait. C'est comme des volets, hein. Vous imaginez, voilà. Et j'ai mis du corail et de la grâce en haut. Du coup, chers amis, aussi j'oubliais de vous dire que j'ai mis aussi le cœur, le noyau du cœur. Hein. Et ben ça spawn beaucoup les dornades. Du coup, chers amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et j'ai mis, c'est tout. J'ai cru que j'ai mis un truc intéressant, mais non. Et du coup, on se dit à la fois prochaine. Et c'est tout, hein. Désolé, il y a eu beaucoup de retard, surtout qu'il y a eu un gros vide sur mes vidéos, surtout il y aura des vidéos encore planifiées qui doivent être sorties. Du coup, pour le moment, là, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo de test, hein, quand même. Du coup, je continue toujours cette série, je pense que les vidéos de cette série, ça va sortir tous les samedis et peut-être du dimanche. Et on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao, 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 les bros.